ou vivre l'histoire. Même que Ariel t'a pensé qu'il y a vie, mais dis-le pas vie. Parce que Jean-Claude Duvalier t'a pensé plus. Nous dit déjà devant l'international qu'il n'a pas fait Ariel confiance. Nous dit déjà qu'il n'a pas marché dans la logique Ariel. Je dis, Ariel n'a pas seulement avec quelques amis PHTK, les néo-PHTK, ils ont fait ça réellement encore pas côté et puis ils ont dit qu'ils n'ont pas résolu le problème. Nous ne pouvons pas parler d'élection aujourd'hui. Pas de sécurité dans le pays. Mais comment on va faire campagne? Vous souffrez l'élection pour nous. Qui a souffert de Kabil? PHTK avec nous. Mais qui contrôle? Mais c'est logique. Ça n'a pas besoin de nous expliquer. Vous n'êtes pas capable de faire l'élection pendant que vous n'avez aucun parti conséquent. Force politique qui signe encore là. Qui force politique importante que nous avons encore ça? Vous parlez là-dedans. Mais à qui est-ce que vous allez faire l'élection ça là? Avec Madame Aniga, bon numéro Jean-Baptiste Bonotuel. Avec PHTK, bon Jean-Baptiste, Madame Aniga. Ça veut dire pas de possibilité dans le moment côté n'a pas là pour une élection. Nous voulons l'élection. Mais il faut condition réunie. Merci. 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 Avec Peba ici. Merci avec journaliste conséquent qui là. Moi salue population haïtienne. Moi salue militants et qui sont vivant une année extrêmement difficile. Moi salue journaliste. Et qui sont vivant une année extrêmement difficile, avec en pile difficulté. Camarade Benel Sotio, l'on prend taux d'inflation, on prend taux dollar, on prend chômage, là, on prend la vie chère, on prend question gaz, là. Ça montre l'eau, châtiment, peuple à côté des journalistes. Mais ma profite occasion pendant que je démarrer l'année 2023, pour demander à la corporation journalistique là, un service. Je connais qu'il y a nous qui fait un peu d'effort, qui est à l'école, qui forme une tête. Je connais qu'il y a des journalistes professionnels. Je connais qu'il y a des gens qui font travail avec équité. Avec un peu de discipline. Mais ma petite nous tout, il y a des gens qui baillent tête, petit journaliste, qui a fait payer en ville. C'est des gens, leur a gardé le travail qu'ils ont fait, ou pas son travail professionnel. Et nous connaissons SDP qui a mis le respect pour la presse, en plus de respect pour les journalistes professionnels. Mais il y a des gens qui n'ont pas gagné éthique dans la question. Je crois que l'année 2023, nous devons changer. Parce que je regarde l'autre pays, il y a des journalistes qui voulaient attaquer une personnalité politique, ou bien qui voulaient faire dossier sur une personnalité politique, ils ont fait enquête. Ils ont fait avec paix. Moi-même, je suis victime. Côté PHTK, dépenser des millions pour massacrer caractère. Et pourquoi je dis à l'important pour les journalistes conséquents continuer de travailler pour métier ça. Parce qu'il y a un peu de monde qui a fait un métier à Dasson pour mettre les affaires et pour chasser ou bien pour détruire l'adversaire politique. Pour ça. Et je considère les journalistes ça. Qui dit être journaliste, il y a plus mal que chef bandit qui dit rien à quartier. C'est des bandits habillés, oui. C'est des bandits qui proposent et qui ont monté le dossier sur n'importe qui. Mais pendant ce temps, ils n'ont pas fait aucun travail à titre de cadeau de façon professionnelle.
Et c'est peut-être ça va prendre des peuples haïtiens. L'obtenir, nouvelle, choisi qui monde. Choisi qui média pour nous. Choisi qui journaliste pour faire confiance. Parce que définitivement, il y a un monde qui a pourri métier journaliste. Mais nous-mêmes qui l'avons, il y a un respect pour nous connaître maintenant. Et nous connaissons très bien que c'est des professionnels et qu'ils ont fait travail. Nous avons plus de respect pour nous. Nous devons respecter le monde qui a fait travail. Je dis à Jean, DJ Benel sautille là, camarade Daril sautille là, son conférence historique. Parce qu'on a commencé l'année politique là, mais une année politique qui est extrêmement difficile. On a d'accord avec moi, je dis à pas qu'il y ait un dans le pays. Pas qu'il y ait personne qui est légitime dans le pays. Mais il arrive à écraser le pays, il réduit le pays avec des cadeaux. Boîte de désespoir. PHTK n'a pas jamais fait élection. Matelide au pouvoir, il fait 5 ans qu'il n'a pas fait élection. Jovenel au pouvoir, il fait 5 ans qu'il n'a pas fait élection. Il transfère le pouvoir à Ariel. Ariel va faire 18 mois, il n'a pas jamais fait élection. Et il style qui le pouvoir. Il a le pouvoir et DJ Benel se dit c'est des neuro-PHTK. Nouveau PHTK, tout le monde connaît. Il est clair pour tout le monde. Que je dis, tout le monde qui signe encore 21 décembre, c'est PHTK. Et on connaît PHTK par produit du monde. C'est acheter l'acheter monde sur le marché. C'est acheter l'acheter monde dans le parti politique. L'acheter monde dans l'OPL. L'acheter monde dans la famille Lavalas. L'acheter monde dans SDP. Lâchez les gens dans Fusion, dans MTV, lâchez les gens dans toute l'autre partie politique. Ça veut dire, je dis à nous d'accord que le pouvoir qu'il a, c'est néo-PHTK. Pas oublier, le réveillement qu'a fait sur l'échiquier politique. Le réveillement qu'a fait au niveau PHTK. Parce qu'actuellement, PHTK est éclaté. Et on est d'accord avec DJ Benel qui dit que il n'a plus qu'un baron qui joue aujourd'hui à cap diriger PHTK et il est Ariel Henry. C'est clair. Parce que deux fois ministre sous PHTK, il est ministre intérieur sous PHTK, il est ministre affaires sociales sous PHTK, aujourd'hui il est mieux placé pour remplacer tout l'autre monde qui peut-être fait retrait dans la question politique. Et c'est peut-être ça qui est gros danger sous le pays. Parce que ça qu'a fait là, pour manigance, qu'a fait avec deux partis politiques, RDNP et PHTK. Pour qu'un pays dans la situation qui est. Et c'est ça qu'a fait nous-mêmes, nous avons dit bilan, le clair pour tout le monde. En août 2022, nous quittons l'accord en septembre. C'est le plus gros accord politique dans le pays. Nous quittons parce que Ariel n'a pas de respecter les revendications. Et nous devons nous craser. Et SDP craser à quoi? Nous craser, nous obligés à faire l'autre accord pas côté. Un accord pas côté pour justifier la présence au pouvoir. Et là, nous ne sommes pas capables de féliciter les dirigeants SDP, les militaires SDP et tout le monde conséquent dans le pays 4 jours. C'est un gros combat. Et vous ne pensez pas que nous devons craser encore. Mais nous disons avec peuple haïtien, pas de miracle nous ne pouvons pas faire. Mais avec peuple haïtien, nous craser encore, nous rapatrier les revendications et nous faisons bataille pour que le peuple nous avance. Et là, nous devons craser encore, nous devons les soins pour nous expliquer à la population pour qui ça nous décide et pour qui ça nous quitte. Les populations comprennent. Les détracteurs qui nous ont dit ça, mais ça qui est clair. Pas de nous prenant à quoi qui est appliqué. Et c'est ça qui justifie que je dis à quoi ça n'a pas existé. N'a pas dit, dans quatre batailles que la TF en 2021, SDP est campé beaucoup. Nous avons accompagné le peuple dans la mobilisation de la fin du débat. Des mobilisations pacifiques, des mobilisations qui respectent les normes démocratiques. C'est vrai.
adversaires politiques qui ont piégé la mobilisation. Et c'est peut-être ça, il faut que nous réfléchissions sur le mode de mobilisation pour nous déclencher aujourd'hui. Parce que les nègres qui veulent, ils ont fait bandits créer la terre. Les nègres qui veulent, ils ont fait bandits entrer, infiltrer la mobilisation peuple. Pour qu'ils aient un discours, ils ne sont pas blancs. Intelligents, nous avons travaillé et nous avons marché. Et nous sommes toujours à gommer contre l'insécurité. Et tout le monde est capable de faire SDP ça. Nous sommes le seul groupe politique qui a toujours dit Jean-PHT qui a mené le pays, l'a mené vers une situation même à Somalie. Effectivement, chose qui se fait, PHT qui a mené le pays dans sa vie là. Et c'est pour raison ça que nous avons toujours convoqué les acteurs pour chercher une solution tête ensemble. Acteurs réticents. Mais je dis à vous d'accord qu'ils sont responsables. Parce qu'ils ne peuvent pas chiter ensemble. Nous disons qu'il faut que nous chiter ensemble pour nous retirer le pays dans sa vie. Par rapport avec toute bataille, ça, et que nous disons qu'il y a un bon bilan satisfaisant pour 2021, pour 2023, nous parlons dans le combat. Nous parlons de bataille. Parce que le peuple est sur notre côté. Le peuple est nous l'entendre. Et nous montrer ça, l'on quitte l'accord en septembre, en août 2022. Pas de jambes, aucun mouvement en d'un pays, des mouvements pacifiques. Côté peuple a protesté contre une série de décisions. Mais quoi SDP dit devant, un peuple attendait. Je dis, nous dit SDP sont gros outils. Son outil de combat, son outil de protestation, son outil qui accompagne le peuple. Mais, par coup SDP sorti de Biakaye, nous en prenons une fois. Parce qu'il y a une mauvaise anguille qui joue dans la bataille du peuple. Et je dis, 4 jours, à questionner non ça. Dirigeants, à questionner non ça. Population à question. Sous base ça, après un pile réflexion, nous avons contacté un groupe qui est spécialisé dans la question chiffres, statistiques, sondages, qui est le groupe technologie, statistiques et solutions. Côté nous commanditer un sondage pour demander à la population est-ce qu'elle est d'accord pour nous changer notre SDPA. Ou bien est-ce qu'il n'est pas d'accord? Et s'il est d'accord, pour quel raison, etc. Et vous promettez nous dans un mois et demi, il n'y a pas de résultats d'enquête. Ça veut dire nous dire, militants nous un peu partout, à travers la République, diaspora, nous avons attendu de relever notre téléphone pour poser nos questions sur ça. Nous avons rencontré nous pour poser une question sur ça. Nous libres pour nous répondre. Parce que SDP pas pour pas bien privé. C'est pour le peuple là. Et ma prédit encore, si nous optons pour changer, l'a changé. Parce que c'est nous qui faisons SDP, ce n'est pas nous qui faisons. Ça veut dire, nous avons tant de résultats nous, dans un mois et demi. Et nous avons fini la presse de façon véridique, mais ça sorti dans le sondage. Par rapport avec ça, nous avons gagné pour 2023. Nous avons déclenché une consultation générale en Dambie. Nous allons virer pays, département. Nous allons parler avec 4 militants, un peu partout. Nous allons questionner, nous allons dialoguer avec eux pour nous connaître qui forme mobilisation pour nous enclencher pas trop longtemps pour nous permettre de résoudre le problème qui va. Nous allons parler avec eux. Nous allons demander qui gens pour nous faire mobilisation plus bien, pour le plus efficace. Et pour Blanc, pas dit que c'est bandit qui a fait mobilisation. Et pour Blanc, pas dit que l'a kembe Ariel parce que Ariel monte pour Gaza sous le coton estomac peuple. Ça veut dire que nous allons parler avec le peuple pour nous faire une mobilisation plus efficace, plus dynamique. Et en même temps, tout, nous avons profité de rencontrer une série de personnalités importantes en Dambie. Pour nous réfléchir. Parce qu'il y a un problème qui pose. Je dis qu'il y a une offre politique que le peuple a demandé.
bon offre politique que jeunesse a demandé. Yo désespoir. Yo perdu tout l'espoir net. Yo besoin de des dirigeants politiques qui disent au côté au palais à pays. Et c'est peut-être ça, SDP va évoluer. Probablement, si c'est même nous, ou son l'autre nom. Pour ne pas seulement arrêter dans la protestation, mais non seulement pour la dénoncer, mais pour la proposer une solution. Ça veut dire que nous allons passer dans l'autre mécanisme dynamique. Nous ne pouvons pas seulement dire à la Michel, nous allons dire, mais comment on peut résoudre le problème de la Michel? Pleinement. Question éducation, nous allons dire, mais comment? Nous ne pouvons pas l'éducation tipa-tipa, mais nous l'éducation de tout petit pays. Mon nom cité soleil, mon nom la saline, quel que soit Kotoïa, vous pouvez bénéficier de l'éducation. Nous pas l'éducation tipa-tipa. Pour taper Israël là, pour l'éducation tipa-tipa, son éducation à grande vitesse qu'elle nous besoin. Vitesse V pour nous sortir. Ça veut dire nous prenons le travail. Et travail ça, nous avons besoin de participation de tout le monde. Et dans ce sens, moi sommé élite pays. Moi sommé professeur université, moi sommé étudiant, intelligent, compétent, pour accueillir de massa avec un pile chalet. Parce que nous-mêmes, nous allons être nos missions pour retirer le pays à la salle. Et nous retirer. Nous ne sommes pas les gens qui cherchent des avantages, qui retournent chercher des avantages pour gérer propre tête. Nous prenons nos missions pour retirer le pays à la salle. Nous allons parler avec tout acteur autour. Pour permettre que nous demandions au Conseil de sécurité des Nations Unies qui prend le dossier Haïti. Nous allons parler avec tout acteur. Ça qui voulait, ça qui parle dans la vidéo, pour nous parler avec le Conseil de sécurité des Nations Unies, pour nous demander dans la prochaine réunion, ou bien organiser une réunion spéciale pour l'opposition participer dans la réunion. Nous-mêmes, journalistes, nous avons constaté ça. Si c'est la démocratie vraiment qui gagne dans les Nations Unies, ou pas qu'à faire une réunion sous Haïti, côté Jodia, pas qu'il n'y ait aucun dirigeant démocratique là-dedans, pas qu'il n'y ait aucun dirigeant légitime là-dedans, pour avoir réuni sous Haïti, pour c'est seulement le gouvernement de facto à attendre. Il faut que l'opposition ait place. Vous attendez? Ça veut dire ça importe. Parce que c'est des gens qui baillent le Conseil de sécurité à l'information. Ce gouvernement PHTK de facto avec Mme Naline Kabay. Qui fait des volets. Ça veut dire qui information qui va bailler, qui sorti dans l'inspiration en d'un peuple là. Qui est Jodia qui te dit blanc, mon ensuite qui t'a demandé sécurité, c'est bandit. Pourquoi c'est le gouvernement ça? Pour mon ensuite qui bloqué, qui pas capable de matisser, que Jodia a manifesté. Pour y jouer une sécurité et acquise, ce n'est pas possible. Ça. Nous allons travailler dans ce sens. Nous avons questionné tout en même temps le comportement international. Nous n'avons pas de problème avec l'international pour l'aider, pour l'accompagner. Mais nous n'avons pas à comprendre la forme de politique qui a mené. Un, nous avons eu le pouvoir, nous dit que nous n'avons pas à jouer entendre. Deux, il a pris des mesures pour nous. Nous ne savons pas sur qui base, sur qui méthodologie qui prend. Qui ça après? Vous prenez des décisions, vous ne pouvez pas dire après qui ça. Je dis à lui, c'est inacceptable que vous pensez même pouvoir PHTK, il est capable de juger pouvoir PHTK encore. Ce n'est pas possible. Côté logique là, vous pensez que les gens dans l'international là, ils ont avisé. C'est méchanceté à faire avec Haïti. Et c'est raciste ça. Parce que vous voulez peuple noir s'arrêter dans la misère. Pour vous prendre exemple de nous, comme des gens qui sont incapables, comme si nous pas humains. Et c'est ça que vous voulez venir occuper nous, venir faire intervention. Il faut me dire en 2021, SDP est combien contre intervention. Nous ne pas dire non à la coopération. Nous voulons coopération. Et c'est peut-être ça, avec bataille SDPA, même Ariel, Premier ministre de facto, nous fait changer de discours. Il était écrit pour demander occupation, pour demander intervention. 1er janvier, il dit, il y a support demandé, il y a assistance demandé. Mais toute communication là, arrêtez là. C'est SDP sous la forme machine. Oui, 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 oui. Ça veut dire,
je dis à tout le monde d'accord qu'il faut que accompagner la police. Bah, la police assistance, tout calme. On doit respecter la souveraineté. Parce que peuple nous est moun nous. Pas vivre une passe pour bête. C'est moun. C'est empêcher nous de développer le pays. Parce que le pays a marqué l'histoire de l'humanité. Capable de retirer le peuple dans la misère. Pas qu'à seule option qui se voyage. Je dis à nous répondre Biden tout. Nous pas de problème pour Haïtiens à chercher la vie mieux. Parce que nous avons fait payer à tout l'enfer. Même dit Biden, pendant qu'on offre nous 30 millions, 30 000 Haïtiens par mois, ou bien l'autre nation, etc. Mais entre temps, nous avons des jeunes garçons qui parlent à arrêter l'autre bois, qui ont besoin de former tête sur le bureau de l'Ukraine. Bande de bourses. Nous disons pendant qu'on offre des gens pour l'autre bois, mais nous avons besoin de tout. Ou garder les Haïtiens qui sont sous frontière Mexique, qui sont immigrés. Parce qu'il y a des gens qui paguent des gens aux États-Unis. Ça veut dire qu'il faut que vous traitez Kaiwa d'abord qu'au Mexique. Et puis à penser avec vous. C'est pas seulement offrir pour offrir nous ça. Comme je dis à ceux qui contrôlent la police, là, ceux qui contrôlent Ariel. On met en forme 4 à 5 000 policiers pour nous capables de battre contre l'insécurité pour payer à vivre. Ce n'est pas mystère, ce n'est pas magie. Les États-Unis font créer le travail. C'est la paix qui gagne, c'est la sécurité qui gagne. Et puis ils créent l'entreprise. Ce n'est pas magie, oui. C'est la paix pour gagner. Parce que l'économie parfaite dans des ordres, c'est stabilité qui va être croissance et développement. Ça veut dire qu'on a besoin de stabilité avec la paix pour nous capables de jouer. Petite lacaille, nous sommes capables de faire un travail.